Yo les gars, c'est ainsi on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Danmachi Battle Chronicle. Ils viennent de sortir une nouvelle bannière, alors que la dernière est sortie il y a même pas quelques jours. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. Donc c'est un peu dommage. On va en parler très vite fait. Alors il faut savoir que dans le jeu, il y avait premièrement une bannière assist qui durait un seul ticket, c'était pour avoir un assist garanti. Ça c'est très bien, c'était tout le monde a un assist garanti SSR ou plus. Ensuite, il y avait trois bannières payantes, une pour avoir une carte UR, une pour avoir un personnage UR et une pour avoir un assist UR. Ça, je trouve que c'est ok. C'est des bannières pay to win, je sais pas ce qu'ils font là, mais en vrai, pourquoi pas? C'était cool, moi je les ai prises. Ensuite, je sais plus s'il y en avait d'autres, je crois pas, sauf si je me trompe. Ensuite, on avait la bannière régulière, donc la normale, tu vois, la bannière toute normale, sur laquelle ils te donnent des tickets très souvent. Donc ça c'est très bien, c'est une bannière normale, tu vois. Ensuite, ils ont rajouté la bannière de Ryu, alors que Ryu est un personnage dans la bannière régulière. Donc en gros, ils ont juste augmenté les chances de l'avoir. En gros, c'est juste ça. Alors que c'est un personnage normal, tu vois. Ensuite, Harumi, ils ont dit dans les détails que le personnage allait arriver en bannière régulière. Donc pour l'instant, il n'y est pas, mais il va arriver. C'est eux qui l'ont marqué, ils l'ont marqué quelque part par là, voilà. Le personnage va être ajouté dans la bannière régulière. Et là, 2 jours après, ils nous sortent Eyes, le personnage le plus cool du jeu que tout le monde attendait, et les FIA qui étaient déjà dans le jeu, sauf que là, ils l'ont mis en assist. Avant, c'était un aventurier. Ils l'ont mis en assist. Et en plus de la bannière, ils ont rajouté la deuxième carte d'Aruime, donc celle-là que moi j'avais eue. Et donc celle-là, elle est boostée. Et sur la bannière d'Aruime, c'est celle-là qui est boostée. Donc voilà. Moi, je trouve ça un peu débile qu'ils sortent une bannière aussi rapidement après. Parce que celle-là, elle vient de sortir. Mais après, je trouve pas ça déconnant. Parce que en réalité, le. Comment dire? Ah, je perds mes mots. Attends, ouais, j'ai oublié. Ouais, c'est ça. En gros, ils vont venir sur la bannière régulière. Et eux aussi. Donc, Eyes, en vrai, ça m'étonne pas trop. Parce que Eyes, c'est un personnage quand même du jeu assez bien, assez classique, tu vois. Ils auraient pas mis un Eyes en limité, tu vois. Donc Eyes, elle va venir sur la bannière régulière avec les FIA assist. Moi, ce que je trouve aussi un peu débile, c'est que les FIA, elle a déjà une carte UR. Certes, elle a un UR aventurier, mais maintenant, elle a aussi un UR assist. Donc, c'est le premier perso qui a deux cartes UR. Et je suis sûr qu'ils se ressemblent à 100%. Donc, c'est un peu débile. Du coup, dans le shop, ils ont rajouté ce pack-là. Voilà, le même que Haruhime. Donc moi, fort heureusement, j'étais très chanceux, j'avais encore des paid gems. Donc j'ai pu l'acheter. D'ailleurs, si vous avez pris les 4 packs qui sont là, plus les 2 packs 5 € et 10 €, vous pouvez normalement acheter ce ticket-là, tout ça, les 4 qui sont là. Pas ça par contre, plus le pass de combat. Normalement, ça fait pile assez, je crois. Donc bref, c'est parti pour les petites invocations. J'ai beaucoup parlé. Moi, comme on avait fait pour Rouimé, les gars, je vais juste mettre 10 tickets. Donc les 10 tickets payants. Et après, je vais plus rien mettre. Même s'ils nous ont donné 3000 Selas, je ne vais rien mettre du tout. Parce que c'est des personnages qui vont être sur la bannière régulière. Et ils ne sont pas limités. Et c'est très triste. Donc on va mettre seulement 10. J'espère qu'on n'aura pas cette carte parce que je l'ai déjà. Et j'espère qu'on aura Eyes, mais je pense pas. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est parti. Let's go. C'est quoi? Attends, on va patienter un peu. Voilà, on a le temps. On est chill. Voilà. On va augmenter un peu de personnage. Hop. Voilà, je flex avec mon CP22. D'ailleurs, Eyes, ouais, comme vous le voyez, je ne l'ai pas en nécessaire. Donc, en nécessaire, c'est dommage que je l'ai pas. Et en UR, j'avais déjà commencé à monter à Ruimé. Donc, je sais pas si je jouerai elle ou Eyes, mais de toute façon, si j'ai pas Eyes, je vais devoir jouer à Ruimé. Parce que j'ai pas de personnage vent. Bon, bref, on a assez parlé. J'arrête de vous faire marcher. Et c'est parti. Attends, juste, dernier truc. Voilà les trucs. Donc, on a Eyes qui est là. Elle est trop belle. On a l'Effia UR, qui est vraiment la même que l'Effia. Et la carte que j'ai du coup. Ok, bon c'est parti. Attends, on va faire une petite technique pour avoir un UR. Bam, 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 bam.
Let's go. Non, non, non. Non. Putain. J'ai trop le seum. Mec, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Non. J'ai trop le seum, j'ai trop le seum. On n'aura pas dû. Bon, bah tant pis. Hein. En même temps, le taux il est assez bas. On a qui? On a Hermès. Je l'avais pas. Bon, alors. J'aimerais bien avoir Tionné en SSR. Si jamais j'ai le droit d'avoir un truc. Wouah, la pire bannière de tous les temps, frère. Mais mec, comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas invoquer. Voilà, je vais pas invoquer. J'ai très très envie. Là, c'est pas l'envie qui me manque. Frère, j'ai trop envie d'invoquer pour Eyes, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Parce que c'est une carte qui va être dans la bannière régulière. Et puis même pour pas leur montrer que c'est bien ce qu'ils ont fait, je vais pas invoquer. Donc voilà. Alors, par contre, est-ce que j'ai eu une scène card Attends, déjà j'ai un nouveau perso. Le petit Hermès. Ok, pourquoi pas. Et alors, moi ma technique. Ah voilà. Ma technique pour voir si j'ai des limit break, je fais comme ça. Vous faites exclu. Et là, vous voyez que c'est les deux là. Parce que celle-là, vu qu'elle était dans le petit cochage. Donc, elle et elle. Ok. Hop. Tadam. Je vais l'augmenter. Hop. Cette carte est assez forte parce que ça augmente la dextérité. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais. Et on a celle-là. Hop. Voilà. On a fait une petite mission en plus. Hop. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? On va regarder les notices. Alors. C'est quoi ça? Story clear. Support campaign. Get again. C'est quoi ça? Alors attendez. It's a chance to get character rare by cleaning of Monstophilia Normal Quest. C'est où? C'est apparemment à 14h UTC plus 9. Alors, All user who clear Monstophilia épisode 7 Silver Eyes Normal will be gift here, at a later date. Ah, donc c'est pas maintenant? Mais the condition between start around 5-9. Between, je sais pas quoi, mec, j'ai rien compris. Period and content are subject to change, blablabla. Ok, en gros, on aura un ticket UR dans longtemps, en fait. Le 30 septembre. Mais frère, on s'en fout. En vrai, c'est cool, mais on s'en fout. En tout cas, on aura un ticket, ok. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Il y a beaucoup de trucs nouveaux, là, j'ai l'impression. Update, je l'avais vu, ça. Notice regarding action against misconduct. C'est quoi ça? Ah ouais, ça c'est vrai, les mecs qui one shot. Ok, bon, on s'en fout un peu. L'update notice. Ok, ils ont juste dit qu'il allait avoir une update. Shop. A limited wind truc. Ça, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris parce que bon, c'est un peu de la merde. Juste des Falna et de l'Exilia, c'est un peu débile. Ensuite, non, c'est quoi ça? Ok, c'est bon. On a l'étiquette de 10, ça je l'ai acheté du coup. Enfin, je l'ai acheté, j'avais encore des paid gems donc c'est carré. Et au final, j'aurais pas dû parce que j'ai eu que de la merde, frérot. Pour avoir un Hermès, après, je pouvais pas savoir ce que j'allais avoir à l'avance, mais du coup, les nouveaux personnages. Ouais. C'est dommage, j'aurais vraiment bien aimé avoir Eyes. Dommage le jeu, dommage. Peut-être qu'ils nous donneront des trucs, on verra dans le futur. Ex-Quest Added. Ouais, ça j'ai vu qu'il y a un nouveau truc. Ils ont mis un nouveau mode Very Hard. Donc ça, j'irai le tester. Je ferai pas de vidéo, je pense. Ok. Main Story Clear. Mais ça, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et. Content update, donc une nouvelle quête, des trucs et un pack.
Ok, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ce compte créateur sur la boutique Fortnite. Ciao!